Hey matelot, ici Défroy. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel pour réaliser cette maison là sur Minecraft. Et regardez-moi un petit peu cette maison, est-ce qu'elle est pas sympathique sans déconner? Ah moi j'aime bien. Alors on a réalisé cette maison là sur Twitch du coup avec les abonnés. Et donc si jamais vous avez vous aussi envie de participer à la création des prochaines maisons que vous verrez sur cette chaîne, bah n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Et vous voyez, j'aime beaucoup cette maison parce que voilà, regardez ces grandes terrasses avec ces utilisations de cette mosaïque, pareil sur la terrasse, la mosaïque sur le haut du toit aussi comme vous pouvez le voir. Et il y a quelques particularités que j'aime bien. Regardez par exemple au niveau du milieu de la maison, en plein milieu, j'ai mis une serre. Ah oui, et je l'ai aménagée carrément. J'ai aménagé la serre. Et pas toute la maison n'est aménagée encore, hein. Je pense que je ferai l'aménagement complet pour la semaine prochaine. Mais voilà, la serre est aménagée pour l'instant, ainsi que la pièce principale, la grande pièce ici au centre. Vous voyez, avec toutes les charpentes et l'immense table ici. Non, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa, on va voir ce que ça donne depuis l'intérieur. Tiens d'ailleurs, on va se faire un petit kiff. Regardez-moi ça. Est-ce que... ça envoie pas du pâté. Oui, avec les tableaux sur les murs et tout. Bref, voilà, moi j'aime beaucoup cette maison, ça donne un côté hyper chaleureux, chaleureux justement. Et je trouve ça vraiment très très bien. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous souhaite à tous un très bon tutoriel. Et on va commencer par donner l'ensemble des blocs dont vous allez avoir besoin pour réaliser cette maison. Ok, donc en premier lieu, je veux vous inviter à vous munir de la pierre taillée, d'un grand nombre même de pierres taillées, vu qu'on va évidemment commencer par la base du bâtiment, vous voyez, qui est en pierre taillée du coup. Hop, et je vais vous donner les dimensions pour réaliser déjà le premier pattern au niveau du sol. Hop. Hop. Donc... ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va monter les murs à 6 blocs de hauteur. Ok? Donc, ben voilà. Donc ici, à 2, 3... Alors, attends, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Et ce, sur toute la longueur ici de notre pattern. Ok? Bah allez, on fait ça. Hop, voilà. Alors, une fois qu'on a monté tout ça à 6 blocs de hauteur, on va monter une partie d'entre elles à 7 blocs de hauteur. Ok, vous prenez cette partie là du coup, d'accord, et entre ce bloc là, hop ici, et le bloc là bas en face, eh bien on va monter tac 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 tout ça à un bloc de hauteur en plus du reste, donc à 7 blocs de hauteur. Voilà, on va faire juste une ligne de blocs comme ça, et hop, voilà quoi ça ressemble du coup. Ok, donc maintenant on va faire les piliers, en tout cas on va poser le repère pour les piliers, donc vous voyez hein, les piliers qui soutiennent la grande terrasse hein, ici, et on va poser leur repère. Et d'ailleurs pour ceux qui avaient peut-être l'œil attentif, vous pourrez remarquer que j'avais mis des petits repères du coup dans le sol avec des laines grises, pas du tout, des laines vertes, dans l'herbe. Ah, c'était pas évident à voir. Hein. Bref, vous allez du coup sur cette partie-là de la maison, ok, on va partir au niveau du coin ici. Sur l'herbe, on va compter 1, 2, 3, 4 blocs. 1, 2, 3, 4, 5 ici. Et vous posez votre bloc comme ça. Vous comptez sur le côté maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs. Et vous posez votre deuxième bloc d'andésite poli. Comme ça. On va sur le coin à ce niveau-là. Ici sur le côté, on va compter 2 blocs.
et on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocs et on le pose. On attend des aides polies. On continue sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 blocs ici. Et on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocs. Ici, comme ça. Et normalement, vous êtes aligné avec le mur, là, vous voyez. Ok, une fois qu'on a ça, on va venir ici avec le mur. On va compter sur le côté. 1, 2, 3, 4 blocs. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocs. Ok, vous posez au 9e bloc. Continue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocs. Et normalement, vous êtes aligné avec le reste du mur ici. On revient ici comme ça et on compte, si je me rappelle bien, hop, 1, 2, 3 blocs ici sur le côté, ok. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocs pour poser notre prochain repère. On va par devant et on compte... Alors, on compte combien? Attendez, je me repère. Je pensais avoir tout mémorisé, mais... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocs, comme ça. Et 1, 2, 3, 4, 5 sur le côté. D'accord? Donc, vous avez tous ces blocs-là. Il faudra faire la même chose de l'autre côté, n'est-ce pas? Allez, hop. Hop. Alors voilà, j'ai mis les piliers de l'autre côté de la maison et j'en ai aussi profité pour mettre le contour de la grande terrasse. Vous voyez, de la maison là-bas qui fait tout le tour. Et donc je vais vous donner les dimensions pour la réaliser. Alors juste petite information peut-être plus. Vous voyez les blocs qu'il y a en diagonale comme ça. Ici, là, là-bas et donc pareil en face là-bas. Ainsi que les blocs en diagonale sur notre arrondi. Ici, ici, hein. Ne sont pas notés sur le plan. J'avais pas la place en fait sur le plan que je vais vous montrer pour les noter, mais ils sont bien là. Donc c'est deux blocs en diagonale ici, pareil ici, de l'autre côté pareil. Hein. Et voilà, deux blocs en diagonale ici et là-bas. Pour le reste, je vais vous donner les plans. Hop. Ok. Ah non, c'est pas ça, voilà. D'ailleurs, il y a des marchands avec ces lamas qui nous ont... popé à l'intérieur de la maison, bah pourquoi pas. Alors, j'ai peut-être pas précisé, mais le contour de la terrasse sera en diorite poli, d'accord? Au cas où j'aurais pas précisé. Alors du coup maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va se munir de tout un tas de blocs différents. Un truc que j'aime bien moi dans la maison, c'est ce côté mosaïque. Regardez, vous voyez tout le sol comme ça qui est composé de plein de pierres différentes. Donc je vais vous demander de vous munir de roches classiques, de d'andésite poli. Ok, d'ardoise, pas du tout, d'argile, pardon, d'argile, de diorite, ainsi que de, je pense que c'est tout, et d'andésite classique, d'accord, donc voilà, d'andésite, ardoise, roche, andésite poli, diorite. Et l'idée c'est que l'on va mettre tous ces blocs là de manière complètement aléatoire sur la surface de la maison, de sorte à obtenir, vous voyez, cet aspect là, en mosaïque, qui est assez sympathique à l'œil. On va pas se mentir. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu. Hop, et puis après, bah, faudra remplir toute la zone comme ça. Donc en mettant, voilà, des blocs aléatoires. Hop, ici par exemple en andésite, puis quelques blocs en diorite, puis après en roche lisse, pourquoi pas. En roche classique. Hop, puis alors en argile, on bouche les trous. Vous voyez. Donc voilà, c'est un petit peu long, c'est un petit peu fastidieux parce que c'est vrai que ben, ça demande beaucoup de temps de changer tous les blocs en permanence. Hop. Mais vous comprenez l'idée. Et donc il faudra faire toute la surface de la maison ici comme ça, à cette hauteur là. D'accord? Allez, let's go. Yep. Voilà, ça nous fait une sacrée surface mine de rien. Alors... on va faire cette partie-là, maintenant, du coup, à l'arrière de la maison. C'est vrai que ça ressemble un peu à un plan de cathédrale, mine de rien, vous voyez. Avec les ailes et tout. Enfin, je sais pas, moi, je trouve. Bref, du coup, à l'arrière de la maison, à ce niveau-là, on va faire vraiment le coin ici. J'ai fait des repères aussi pour plus tard, mais on se concentre vraiment sur ce coin-là, d'accord. On va venir utiliser les pierres taillées. On va venir ici, hop, poser des pierres sur ce coin là, d'accord, jusqu'à ce que ce mur là en fait et ce mur là se prolonge et se rejoignent ici comme ça. On va monter ces petits murets de pierre là à 3 blocs de hauteur comme ça, hein,
Hop. Et pareil de ce côté-ci. D'accord. On va surélever tout ça de dalles en pierre, en roche lisse. Je me disais en longue vue, ça fait bizarre. Hop. Ok, comme ça. On va venir utiliser les blocs d'herbe. Hop. Et on va venir les mettre... J'ai l'impression que le son est un peu fort, son du jeu. Bref, une fois qu'on a ça, du coup, on va venir utiliser les pierres taillées à nouveau. On va venir ici, d'accord. Hop, poser des pierres là, sur trois blocs, comme ça. Hop, ici, comme ça. On les fait, je sais même pas sur combien. Hop, 10 blocs dans ce sens-là, d'accord. L'idée, c'est que ça dépasse de 3 blocs du reste du mur ici. Vous voyez, le mur ici se prolonge jusqu'à ce bloc-là. Il faut mettre 3 blocs par devant. C'est surtout ça. Hop. On prolonge tout ce petit mur-là jusqu'au bout pour rejoindre le mur à ce niveau-là. Et puis, on va rajouter des dalles de roche lisse sur le dessus. Hop. Et des blocs d'herbe à l'intérieur. Hop. Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, alors évidemment, je précise tout de suite, bien sûr, mais la maison, hop, que vous avez là-bas présentement, ça zoom un peu trop fort, est symétrique, c'est-à-dire que d'un côté à l'autre, c'est exactement la même chose, d'accord? Du coup, tout ce que je vais faire de ce côté-là, ça sera exactement la même chose à faire de l'autre côté. Je ne vais faire qu'un seul côté dans cette vidéo, parce que comme ça, ça ira plus vite pour vous. Et la vidéo ne durerait trop longtemps si je faisais les deux côtés, évidemment. Donc, je vais vous inviter à revenir ici, là, sur notre bord. On va venir prolonger dans le sol. Voilà, comme ça. 4 blocs de trous dans le sol, comme ça. Et puis, on revient rejoindre ce bloc-là. D'accord? Hop. Alors, on creuse un trou dans le sol entre les deux piliers, ici, bien sûr. Puis après, on va... Hop, creuser comme ça en ligne droite jusqu'à 42 blocs. Donc voilà, entre le bloc là-bas et ici, vous avez 42 blocs de trous. Puis après, voilà, on va faire un trou de 3 blocs ici, comme ça. De 2 ici. 2 ici encore. De 2 blocs comme ça. Et ici, pareil, entre là et là, vous en avez 12. Et on rejoint la ligne des 2 blocs ici, comme ça. Enfin, des deux piliers qu'on avait mis tout à l'heure. Donc, on creuse dans le sol pour rejoindre ce pilier-là. On compte, on creuse encore dans cette direction-là pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. D'accord. On en met 3 comme ça ici après. On recreuse de 3 blocs comme ça. On contourne le pilier, on en remet 2. 2 ici. 2 ici. Ok, hein, donc 2 là. Puis 2 là, comme ça. Sur le côté, 1, 2, 3, 4, comme ça. Ici sur le côté, 1, 2, 3, pour rejoindre le milieu de la maison, il faudra refaire la même chose de l'autre côté. Donc on refera, hop, voilà, donc 5 sur la partie ici, puisque la maison étant symétrique et impaire, il y a un seul bloc sur l'ensemble du milieu. Donc à ce niveau-là, on aura un nombre impair du coup aussi. Bref, une fois qu'on a fait ça, on va utiliser, hop, je ne les ai pas sur moi, les escaliers en andésite poli. Et on va venir les mettre comme ça, hop, pour combler le trou qu'on vient de mettre. D'accord? Donc les escaliers, on les met le dos de l'escalier vers l'intérieur de la maison. Ok? Hop. Et on fait tout le tour comme ça. Hop, voilà. Donc on rejoint vraiment le mur qu'on avait fait tout à l'heure. On prend juste le soin de reprendre une pierre taillée pour le mettre en dessous ici. Vous voyez, on voit de la terre. On enlève et on remet de la pierre taillée ici comme ça pour que ça soit plus joli. Alors, ici, du coup, vous voyez, ça sera notre entrée de la maison. C'est là où on va avoir la grande paroi gigantesque. Là, vous voyez, la grande façade en verre. Ça sera à ce niveau-là. Et donc, il faut laisser 3 blocs d'ouverture ici comme ça. J'ai pas mis d'escalier sur 3 blocs parce que... Il y aura le petit chemin pour rentrer dans la maison. Ok, maintenant, tout l'herbe ici que vous avez à l'intérieur hein, de cette grande zone-là, on va l'enlever et on va mettre de la roche lisse à la place, d'accord?
Et puis voilà. Donc, allez, on creuse. Hop. Voilà, donc on a enlevé toute la terre à ce niveau-là. On va la remplacer par de la roche lisse. Et alors, tant qu'à faire, vous allez voir tout de suite, ici du coup, sur le... En face du petit chemin qu'on a fait, là, vous voyez, là où on avait laissé les trois blocs. On va faire l'entrée de la maison, l'entrée principale en fait. Donc on va vraiment creuser, voilà, dans notre mur ici, de 5 blocs de large, du coup sur 4 blocs de hauteur. On va faire une entrée assez massive. Et donc alors pour l'instant évidemment on voit absolument rien dans la maison. Voilà, donc j'ai mis de la lumière. L'idée bien sûr qu'à l'intérieur de la maison ici, bah, faudra enlever toute la terre également, comme ce qu'on vient de faire ici. Vous voyez, on enlève toute la terre et on va la remplacer par du coup de la roche lisse. D'accord? Évidemment, si vous êtes en survival, vous pouvez utiliser juste les dalles de roche lisse. D'accord? Comme ça. Hop, en position vers le haut, comme ça, ça vous fait économiser des ressources. D'accord? Mais l'idée, voilà, on enlève toute la terre ici, on la remplace par de la roche lisse. Et pareil à ce niveau-là. Allez, let's go! Hop! Et ils sont arrivés jusqu'ici, dis donc. Alors, donc voilà à quoi cela ressemble, hein, une très grande terrasse en pierre lisse. Ça vous fera beaucoup utiliser de four, hein, je pense, en survie. Alors, j'ai pris aussi le luxe de placer les piliers de structure de la maison. Là, ça déconne plus. Là, on va vraiment partir sur... Vous voyez, les piliers de structure, donc ce sont ces grands piliers-là, hein, que je vous montre. Hop, ici sur la façade, c'est ces grands piliers comme ça. Et bien, tous ces piliers en bûche, là, que vous voyez, qui séparent vraiment les différents murs entre eux et tout ça. Donc ça, c'est vraiment le truc parmi les plus importants de la maison. Et bien, je les ai placés au niveau du sol comme ça. Je vais vous donner les dimensions tout de suite, mais avant, quelques informations. Entre les piliers de ce côté-là, il y a toujours 9 blocs d'espace. Vous voyez, donc là vous avez la grande la partie centrale ici, c'est pas ça dont on parle, c'est vraiment tous ces piliers là de ce côté là de la maison ont tous 9 blocs d'écart entre eux, d'accord, entre ce pilier là et ce pilier là il y a 9 blocs, entre celui là et celui là il y a 9 blocs, entre celui là et celui là 9 blocs, ici 9 blocs, là 9 blocs, 9 blocs, 9 blocs, 9 blocs, bref 9 blocs partout d'espace entre tous les piliers, d'accord. Au niveau ici de la partie centrale, il y en a 11, je crois, ou 13. 11 ou 13. 13, d'accord. Voilà, il y a 13 blocs d'écart ici et là. Donc, évidemment, entre ce pilier-là et ce pilier-là également. Entre celui-là et celui-là aussi. Et celui-là et celui-là, etc., etc. D'accord. Chose à voir, c'est que entre ce pilier-là et celui-là, du coup, qui sont vraiment les piliers de, sur la façade, on va avoir 2 blocs en diagonale entre les deux. Pareil là-bas, 2 blocs en diagonale comme ça, ok. Et donc on a nos piliers ici, là, sur la façade. Et il y aura évidemment pareil la même chose de l'autre côté. Et sur les 4 piliers qui restent ici, ok, eh bien entre ce pilier-là et ce pilier-là, il y en a 11 blocs de décalage. Ce pilier-là et ce pilier-là, 11 blocs aussi, pareil. Hop, regardez, voilà, 11 blocs. Celui-là, 11 blocs, etc., etc. Et par contre, entre eux, de cette façon-là, comme ça, il y en a 9 blocs entre chaque. D'accord, je vous fais un petit plan pour résumer tout ça et pour pouvoir placer tous les piliers vous-même. Ok. Alors, une fois qu'on a ça, une fois que vous avez tous les piliers posés au niveau du sol, ok, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va leur donner leur hauteur. Vous voyez, donc là j'ai repris, j'ai copié-collé cette maison-là ici, histoire de la dépouiller un petit peu pour voir comment j'avais fait. Hop, donc voilà, tous les piliers ont différentes hauteurs ici, vous voyez, donc là les piliers de la façade sont plus hauts que le reste, d'accord. Ici ces piliers-là, pareil, ils sont plus hauts que ceux-là. Et donc je vais vous donner directement la hauteur pour les piliers, comme ça on n'aura plus qu'à faire les poutres après. Donc la hauteur des piliers maintenant. Ok, donc
J'en ai profité du coup pour changer chaque couleur que vous avez vue du coup par leur hauteur respective. Donc vous avez normalement ça sous les yeux. Donc une espèce de forêt un peu bizarre. Sans feuilles. Bref, une fois qu'on a ça, on va relier les différents piliers entre eux par des poutres. Hop, en utilisant toujours les bois de chêne, les bûches de chêne, d'accord ? Alors ici, vous voyez, on a des piliers qui volent dans le vide, c'est un petit peu bizarre. Donc on va venir utiliser ici le pilier qui est à ce niveau-là, ok ? On est juste au-dessus des petits jardins qu'on avait fait avant, ok ? Hop, on va mettre des bûches jusque-là, d'accord ? Puis après, jusqu'ici, ok, on continue, hop, jusqu'ici. Oui, alors peut-être certains n'auraient pas forcément vu sur mes plans, je sais pas si c'était très clair. Ces piliers-là, du coup, donc on est vraiment au bout de la maison ici, étaient un bloc par devant le mur ici, d'accord ? Hop, ici, pareil, on revient jusque-là, ok. Alors, juste au-dessus, vous voyez ici là de notre mur, hein, juste devant le mur aussi, on va mettre une poutre qui va longer toute la maison jusqu'à l'autre côté. D'accord ? Hop, comme ça. Comme ça, ça te permettra de faire une espèce de petite esplanade ici, enfin, vous verrez bien. Ok, une fois qu'on a ça, on va venir mettre tous comment on appelle ça ? Les piliers, les poutres, voilà les poutres. Donc on en mettra une ici aussi, à 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs de hauteur. Alors oui, peut-être que ça vous paraît étrange, mais voilà, j'ai désossé la maison pour y voir plus clair. À 7 blocs de hauteur, puis après à 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs encore. D'accord. Hop. Donc, on prolonge la poutre ici, jusque là. D'accord. La même chose de l'autre côté, évidemment, mais je ferai qu'un seul côté de la maison, hein, comme je vous ai dit, pour que ce soit plus simple. Alors, on reprend du coup nos piliers ici. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs. Hop, comme ça. Et on va prolonger notre poutre, hop, comme ça, sur toute la longueur de la maison, entre tous les piliers. D'accord ? Sauf à deux endroits. Je vais vous montrer. Hop. Non, ici, du coup, voilà. Donc, on prolonge sur toute la longueur ici. On va aussi prolonger sur les piliers ici. Là, ici, tout ici. Il y a juste au niveau de l'intérieur de cette grande pièce ici, comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, toute cette longueur-là, il n'y aura pas de poutre Il n'y aura pas de poutre à ce niveau-là. Il y en aura sur tout le reste à ce niveau-là, sur cette partie-là aussi, mais pas sur la partie centrale, d'accord ? Ok. On prolonge ici du coup les poutres qu'on avait fait ici comme ça, ok, dans ce sens là aussi. Hop, hop, et hop, d'accord. Alors ici aussi à l'intérieur, hop, hop, ok. Alors ici, ça va être un petit peu particulier parce que l'on va, en plus de ces poutres-là, mettre une espèce de double épaisseur de poutre pile poil sur cette partie-là, ok ? Ici, là. D'accord ? On va venir compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs, donc tout en haut du bloc, du pilier. On va remettre une couche ici comme ça, d'accord ? Sauf qu'on va la doubler, c'est-à-dire qu'on va venir mettre hop, 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 hop. Vous voyez, des poutres qui vont venir, voilà, et des piliers qui vont venir doubler l'épaisseur de cette partie-là. C'est juste histoire de donner un petit coup de relief, en fait, à la maison. De l'autre côté, du coup, on prolonge avec les poutres à la même hauteur, ok. Et on le prolonge sur tout le reste de la maison, hein, je vais vous montrer une fois que ça sera fait. Hop, hop, voilà, donc là j'ai mis toutes les poutres pour le premier étage, donc à 7 blocs de hauteur, je vous montre un peu à quoi ça sert. Il faut pas mettre de poutres à ce niveau-là, vous voyez là où je pointe, juste ici, parce que ce sera la serre, d'accord ?
Donc tout le reste de la maison, on relie les poutres entre elles, ici comme ça vous voyez. Ici bien sûr on n'en met pas sur la partie centrale, et sur ce côté là, ben, on les met aussi. Maintenant on va mettre les poutres du deuxième étage, donc à 14 blocs de hauteur, donc à 7 blocs en plus au-dessus des poutres qu'on vient de mettre. 3, 4, 5, 6, 7, ok. Et pareil, sur la partie centrale, on ne relie pas les deux grands piliers ici. Donc ça sera vraiment la façade, on fera ça après. Et on ne relie pas les poutres entre elles, enfin les piliers ici entre eux. D'accord, on relie tout ce que l'on peut à ce niveau-là, sauf la partie centrale ici qui sera la serre. Je sais, c'est un petit peu compliqué. Et de ce côté-là, on relie tout ce qu'on peut aussi. Bref, je vais vous montrer. Hop. Hop. Alors voilà où on met les poutres du coup pour le deuxième étage, hein, on les met ici, ok, et on les met comme ça sur le deuxième étage, donc sur cette partie là de la maison. Alors quand on regarde dessus, voilà ce que ça donne, c'est à dire que sur toute la partie centrale ici, là où il y aura la serre, hein, sur la maison, hop, avec la longue vue peut-être on voit là la serre au milieu de la maison, et donc là il n'y aura pas de poutres sauf une, évidemment au premier étage, ici. Et sinon, il y a des poutres comme ça, ici aussi. Et puis c'est tout pour le deuxième étage. Ok. Une fois que vous avez ça, on va utiliser les planches de chêne classique. Et on va faire le plancher pour le deuxième étage directement. Après, on fera les murs. Ok. Le plancher pour le deuxième étage, alors la partie centrale, bien sûr, il n'y a pas de plancher. On va aller ici, là, au milieu, en plein centre. Là, on va mettre un plancher sur toute la surface. Hop. Ok, on n'en met pas là, on n'en met pas là. Hop, au niveau d'en dessous, vous voyez toute la zone ici dans laquelle il y a un trou. Eh bien, on va la remplir en bloc de bois. Hop. Ok, donc pour cette partie-là de la maison, c'est ok. Pour la deuxième partie de la maison, je vais vous donner, hop, donc tous les carrés, en fait, hein, qu'on va devoir mettre en bois dessus. C'est ce que je suis en train de vous montrer ici. En gros, on va avoir, vous voyez, donc c'est vraiment ces carrés au niveau du premier étage qu'il faut regarder. Tout ça ici, cela et cela, donc les trois là-bas, les trois ici et les trois là. On va mettre tout en planche de bois. Allez hop. Hop. Ok, donc j'ai fini de poser le plancher. Ok, vous voyez un peu ce que ça donne. Oula, j'ai pris les poutres. Alors, j'en ai aussi profité, comme vous pouvez le voir, pour mettre le pied, on va dire, des murs qu'il va falloir monter. Donc, voilà. Donc, c'est... combien il y en a, 3 8, 10, les 10 carrés ici là qu'on a remplis, plus celui-là là-bas pour le premier étage. Et maintenant on va passer au mur du coup. Au niveau du premier étage du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis au niveau du sol les patterns pour les murs que l'on va mettre. D'accord? Je voulais vous les montrer avant de les mettre. On va remplir tous ces carrés là, ici, ici, ici. Donc sur toute la partie externe finalement, hein, vous voyez, toute cette partie externe, on va mettre... Des murs partout. À l'intérieur de la maison par contre, on va laisser, on va pas mettre de murs tout de suite pour pouvoir circuler dans la maison, ok. Les seuls murs que l'on va mettre, c'est ici, donc autour de la serre, et il faudra pouvoir passer autour comme vous pouvez le voir. Donc on pas de mur ici, des murs sur le pourtour, sur ce côté là ici, ok, et à l'intérieur comme ça, ok. De l'autre côté de la maison, du coup, on va remplir ce carré-là. On va remplir aussi ces carrés ici. Pas ici, mais ici. Donc voilà, l'autre côté, bien sûr, pareil. Là aussi, hop, à l'extérieur. On va remplir ça, on va remplir ça. On va remplir tous les trois carrés à ce niveau-là, d'accord? Et plus, pareil, ce carré ici. Mais par contre, à l'intérieur, on va aussi mettre des murs à ce niveau-là et à ce niveau-là, d'accord? Pareil là-bas et là-bas. Comme ça, on aura des pièces à part. Ok, donc voilà, on va faire ça pour le premier étage, du coup, l'ensemble des murs. Allez, let's go!
et on creusera après les portes et les fenêtres dedans. Moi j'aime bien mettre complètement les murs et après creuser dedans. Je sais qu'il y en a qui râlent dans les commentaires pour ça, mais j'ai toujours buildé comme ça, donc désolé. C'est ce qu'on va faire. Allez, let's go. Hop. Voilà ce que ça donne du coup avec les murs du premier étage. Hop, je vais vous montrer de l'extérieur. Ok. Et voilà. Hop. Hop. Et l'autre côté de la maison également. Ok. Voilà, pour ceux qui souhaitent avoir des repères. Maintenant, du coup, on va monter les murs pour le deuxième étage. Et donc, sur ce côté de la maison, on va monter les murs. À ce niveau-là, à ce niveau ici... Bah oui, aussi, d'ailleurs, pourquoi j'ai pas mis. Voilà. Donc, ici, ici. À ce niveau-là, on n'en met pas, mais on les mettra ici à l'intérieur et de l'autre côté ici. On n'en met pas au bout parce que ce sera un mur en vitre, donc une énorme fenêtre. Et pareil, du coup, de l'autre côté, hein. Hop. Ici, là, pareil, ces deux carrés, on remplit. De l'autre côté, on va remplir ce carré, le carré du milieu et l'autre carré au bout. Pas les deux ici, puisqu'on va mettre un balcon à l'intérieur de la maison, comme je vous avais montré au début. Alors, à ce niveau-là, on met les murs juste sur le côté, ici, comme ça, et au bout. Donc, ici, ici, vous voyez. On va laisser une terrasse à ce niveau-là. Donc là, un mur. Ok. Pareil de l'autre côté ici, hein, voilà des murs sur le côté, au bout là et ici, un autre point de vue, hop, voilà. Ici ce sera une terrasse, ici ce sera la serre. D'accord ? Allez, donc on monte les murs. Hop, voilà ce que ça donne du coup au niveau des murs du deuxième étage. Alors, regardez ce que ça donne du coup de ce côté là de la maison, ok. Youp. Et de l'autre côté, on a ici, voilà, hop, ok, donc à l'intérieur vraiment de la maison ici, ce sera à l'intérieur de la serre, on a vraiment des murs complets, ok, hop, et comme ça ici, une fois qu'on a ça, on va venir mettre les supports, la charpente, ah, vous savez à quel point j'adore la charpente, au niveau des grands machins ici, donc de la de grands machins de toute cette zone là de la maison, la zone centrale, on va mettre les charpentes, donc pour le toit on va venir prendre nos blocs qui dépassent ici, hein, vous voyez les blocs de piliers qui dépassent, et on va venir vers un escalier comme ça, un peu de chaque côté, hop, comme ça. Bon, moi j'enlève les blocs ici comme ça. L'idée c'est d'avoir juste des blocs de bûches comme ça. D'accord? On va faire la même chose ici. Hop. 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 Et l'idée c'est que l'on va faire la même chose sur les autres piliers à ce niveau-là. D'accord? Allez hop. Yep. Alors oui, je vous reprends ici, du coup voilà ce que ça donne un peu. Hein. On va compléter ça avec les blocs qu'on a ici, d'accord? Sauf que ces blocs là, on va les rejoindre avec le pilier ici. Hop, c'est-à-dire qu'on va faire ça comme ça, d'accord? Et vous voyez que lorsqu'on regarde en biais comme ça, eh bien ça nous fait vraiment une ligne droite. On va juste pour l'esthétique doubler les piliers ici comme ça. Alors, ce que l'on a enlevé tout à l'heure, ils étaient comme ça, orientés dans ce sens-là, d'accord? Donc on les a enlevés, c'est normal. Donc on les remet comme ça. Ok, on refait la même chose ici. Hop. Ok. Et la même chose de l'autre côté. Par contre, toutes les charpentes comme ça, on les laisse comme ça, on les double pas. Ce sera juste au niveau des façades que l'on va doubler les charpentes ici comme ça. Pareil ici. Hop. Hop. Voilà.
Ok. On va faire les charpentes aussi au niveau de la serre à ce niveau-là, d'accord? Les autres parties de la maison, il n'y aura pas besoin de faire les charpentes. Pour faire les charpentes de la serre, donc, on va venir mettre des blocs comme ça. Hop, hop, hop. Ok, donc bien sur le côté, hein. On va pas utiliser ce bloc-là pour faire la même charpente ici que ce qu'on avait fait à côté. On va vraiment mettre le bloc sur le côté et on va partir de là, d'accord? Ok. Ok, comme ça. On va faire la même chose à chaque côté. Hop. Bah, à chaque fois. Hop, voilà. Et on fera la même chose ici et là. On peut faire aussi la même chose à ce niveau-là. D'accord? Regardez. Paf, paf, paf. Hop. Hop. Ok, donc, je vais faire les deux autres rapidement, hein. Hop. Hop. Voilà un petit peu les jolies charpentes. Alors, maintenant, on va mettre le toit, bien sûr, parce qu'on a mis les charpentes, on va mettre le toit. On va utiliser les escaliers en chêne. C'est clairement le bloc qui y aura le plus dans toute la construction, je pense. Alors, on va faire tous les toits en escalier de chêne, on va les faire comme ça, je vais déjà vous dire où se trouveront les emplacements pour les toits, comment les faire, d'accord? Donc, ici, on va le faire comme ça, donc, paf, hop, alors, on pose les escaliers en bois comme ça sur la poutre, ok, hein, etc., hop. Un peu, paf, 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 hop, alors là pour la façade ça sera un petit peu différent, je mets les murs en dessous, et au niveau du toit on va utiliser les dalles en sapin, hop, voire carrément les blocs en sapin, pourquoi pas, alors il est où le bloc de sapin, là, il est là, alors sur le dessus ici on va mettre... On va mettre juste ça comme ça. Donc, sur le prolongement, on va faire, voilà, sur toute la longueur ici du mur, on va faire les toits comme ça, hein. Vous l'aurez compris. Hop. Tac, 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 tac. Bref, et on prolonge la forme du toit de cette façon-là. Ah non, pas comme ça. Ici, hop, paf, paf. Paf, sur toute la longueur du mur, d'accord? Enfin, du toit. Ici, sur la façade, on va décaler notre toit, du coup, par deux blocs de chêne. D'accord? On va venir faire dépasser le toit de la façade de deux blocs. Hop, en chêne, du coup. Et puis après, on va utiliser les escaliers de sapin. Escalier en sapin. Hop. Ici, comme ça, que l'on va mettre par-dessus les escaliers en chêne pour faire le toit. Alors, je sais plus si on avait mis deux blocs ou un bloc sur le côté. On avait fait dépasser d'un bloc ou deux. Donc voilà, on a deux blocs, effectivement, de chêne plus un bloc de sapin sur le côté du toit. Donc, on va refaire ça. Hop. Ici, du coup, on a fait dépasser d'un bloc... l'escalier en chêne, on va en mettre un deuxième ici comme ça, ok, alors oui, pas forcément facile à cliquer, et hop, vous voyez, et donc une fois qu'on a ça, on va remplir, hop, en escalier en sapin sur le contour comme ça, ok. Et l'idée, c'est qu'on prolonge cette forme-là de toit sur toute la longueur, et ainsi que de l'autre côté aussi, bien sûr. Là, je ne l'ai pas fait, mais c'est histoire de montrer, hein, bien sûr, la même chose. Ici, hop, 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 hop. Ok, une fois qu'on a ça, au niveau de la façade ici, il faudra aussi mettre les escaliers à l'envers. Ok, comme ça. Hop. Hop. Ainsi que les escaliers en chêne ici, comme ça, ok. Hop.
Ok, juste au niveau du sommet ici, vous voyez, on a un grand trou. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est reprendre les bûches de chêne et venir les mettre comme ça, dépasser jusqu'à un bloc par-dessus le toit. Par devant le toit, je devrais dire. Ok. Est-ce que j'en mets une ici aussi? Je sais plus. J'avais fait quoi sur mes... ma maison. Ouais, je crois. On en fait dépasser une ici. C'est-à-dire qu'on va reprendre les bûches de chêne. Et voyez, dans l'angle ici, entre le pilier et la poutre, on va enlever les blocs ici comme ça. Que vous venez de mettre, je sais. Alors oui, je reprécise un mais. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me disent dans les commentaires. Ah, c'est embêtant, tu construis des murs et après on doit les casser. Ou tu construis des choses et après on les casse pour faire autre chose à la fin. Mais voilà, je suis désolé, c'est comme ça que je build depuis toujours. Je build de manière très méthodique. Je fais d'abord la structure, puis après les finitions. Les finitions, si j'ai besoin, bah, j'égratigne la sculpture pour pouvoir les mettre. Je suis au courant de ça, je ne vais pas changer. Donc, voilà. Bref, on fait un toit comme ça sur cette partie-là. Ici aussi, pareil, on va venir reprendre les escaliers en sapin. Non, pas comme ça. Ici, par-dessus. On va venir mettre une ligne de planches de chêne. Hop, comme ça. Hop. Ouais, ici aussi. De l'autre côté, pareil. Hop. Je vous montre ce côté-là. Bien sûr, l'autre côté sera à faire de la même façon. Et on va venir utiliser les escaliers en chêne. Ici, comme ça, sur le côté. Hop, comme ça. Ok. Paf, 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 paf. Et avec une dalle en sapin par-dessus. Hop, là, donc ça va vraiment être la façade. D'accord. Et puis voilà, pareil, hein, les escaliers en chaîne, on les prolonge sur toute la longueur du bâtiment. Juste au niveau de la façade, je vais regarder un petit détail. Hop, on est à 1, 2, 3, 4, 5 blocs de bûches par devant la façade. Et on l'a fait... Ah bah j'ai pas mis les escaliers à l'envers ici, tiens moi je suis un mauvais élève. Hop. Ah mais même j'ai pas mis ici du coup. Oh bah tiens. Je les ai mis ici mais pas là. Ah bah bref. Bah bon bah, bref. Donc du coup on va faire dépasser les escaliers de 4 blocs par devant la façade. Et puis après, regardez, quand on regarde au-dessus, la façade du bâtiment, le toit, il est un petit peu en diagonale comme ça. En diagonale de 2 par 2. Par deux blocs, je veux dire. Vous voyez, deux blocs, deux blocs, deux blocs, et comme ça, comme ça. Donc, c'est ce qu'on va refaire. Ok, donc on va venir reprendre nos bûches de chêne et on va venir les prolonger de 1, 2, 3, 4, 5 à partir du sommet ici et ici. Donc, on va venir les prolonger aussi à partir de la poutre qui est là. Vous voyez, la grande poutre tout du long, on va la continuer. 1, 2, 3, 4, 5, normalement. Hop, ici aussi. 5. Ok. On va venir faire comme ça. Et puis comme ça. Et puis comme ça. Et puis après, tac tac, on va baisser comme ça. Un, deux, trois, quatre, c'est bon. Vous avez compris l'idée, hein, en diagonale comme ça, jusque plus bas. Après, évidemment, on fait le toit, hop, comme ça. Hop, dalle en sapin, hop, voilà. Et on le prolonge, tout ce toit-là, sur toute la longueur du bâtiment aussi, bien sûr. Voilà, donc on fera celui-là, on fera celui-là, et on va faire un toit à ce niveau-là ici aussi, évidemment de l'autre côté, mais je ne le montre pas, et de ce côté-là aussi, et là, forcément. Donc là, ça sera la même chose à ce niveau-là, vous voyez, donc sur cette partie, un escalier ici et ici, hop, l'escalier de l'autre côté ici, hop, on va prendre les planches, hop. Et là, ce sera le seul escalier qui, vous voyez, au niveau du sommet, ce sera deux planches comme ça, enfin deux escaliers en chaîne. Ce sera vraiment le seul, celui-là et celui-là à côté, les deux seuls toits qui fonctionneront comme ça.
Et pareil, on prolonge les escaliers sur toute la longueur, évidemment. Hop. Et puis, par deux blocs en chaîne, d'escaliers en chaîne sur le devant de la façade, d'accord. Pareil sur le côté, deux blocs. Hop. Hop. Et puis, on met des escaliers en sapin sur le contour. Etc, etc. C'est la même chose à chaque fois. Les escaliers, les toits, pardon, sont assez longs à mettre. Peut-être même ceux qu'il y a de plus longs. On va aussi, vous voyez, à partir de là, rajouter un bloc comme ça. Ici, pour prolonger un petit peu le toit sur le côté. Et paf. Hop. Ok. Évidemment, il faudra mettre aussi les escaliers en dessous à ce niveau-là, bien sûr. Et prolonger jusqu'au mur. Pareil à ce niveau-là, hein, du coup on refait partout la même chose, on fait des escaliers comme ça, pac pac, on les monte tout jusque tout en haut là. Hop. Ah bah oui, alors du coup j'ai cassé le truc. Hop. Alors là par contre on va pas mettre de mur en planche de bois, on va venir utiliser des blocs de verre. Hop, si tant est que je les trouve déjà. Alors les blocs de verre, me semble-t-il. Des blocs de verre ou carrément de la vitre, je ne sais plus. J'ai utilisé de la vitre, je crois. Ouais, c'était de la vitre. De la vitre, de la vitre. Hop, comme ça. Avec, en plein milieu ici, une poutre qui vient quasiment jusqu'au sommet. Hop. Comme ça. Hop, hop. Et au sommet, on va mettre une dalle en sapin. Ok. On met de la vitre tout en dessous. Hop, hop, hop. On va prendre... Hop, hop, les blocs de chêne, bien sûr, pour les prolonger sur deux blocs par devant notre façade. Et par deux blocs sur le côté aussi, hein, bien sûr. Ici, là, on a un bloc. On va mettre deux blocs comme ça. Et pareil. Ça, comme à chaque fois, on va mettre tous les toits de la même façon. Hop, avec deux planches de chêne qui dépassent et un bloc d'escalier en sapin, hop, par devant, dans le prolongement, hop, 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 youp, hop, 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 hop. Bref, vous avez compris l'idée, on met aussi les escaliers en dessous et on met les escaliers jusque l'autre toit ici. Donc on va faire le grand toit à ce niveau là bien sûr, hein. Le grand toit en plein milieu de la grande partie centrale, faudra le faire aussi. Pareil ici, on prolonge tout jusqu'au bord. Et ici là on va faire exactement la même chose, hein, le toit qui va venir, hop, comme ça, hop, paf, avec de l'escalier comme ça, hop, 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 par deux, par devant, etc., hein, comme je vous ai montré d'habitude, et on prolonge sur le côté, voilà, donc cet escalier-là, sur toute la longueur, avec la petite dalle en sapin sur le dessus, hop, hop, voyez l'idée. Donc, là, pour pour les toits, donc ici, ici, là-bas et là-bas derrière. La même chose en symétrique de l'autre côté de la maison, ici, là-bas et là-bas. Et puis, il n'y a plus qu'à faire. Bon, c'est une grosse partie, mais voilà, ça se fait bien. Hein. Hop, allez, on fait ça. Alors, je suis en train de faire le toit principal et je remarque que j'ai oublié de vous donner une information concernant le grand toit ici de la façade. Alors, il se prolonge sur le côté... Du mur ici, vous voyez, hein, de 4 blocs sur le côté. Donc, oh, là, on a un bloc, deux blocs, 3, 4 comme ça. Enfin, le quatrième, normalement, c'est un escalier en sapin. Et la petite astuce qui vous permet de savoir si vous êtes arrivé au bon endroit,
c'est que lorsque vous prolongez cette ligne de sapin là, en fait, bah, vous connectez avec l'autre à côté. Et donc en fait vous avez un toit qui va se connecter comme ça, hop, devant le sens que ça va faire quelque chose comme ça. Ok, vous voyez. Et bah ici on va joindre hein, tout simplement, hop, hop, et puis hop comme ça. Vous voyez ce que ça donne du coup. Et ben voilà, du coup on prolonge ben, sur toute la longueur. Allez hop. Autre chose, du coup, au niveau de cette de la façade ici, vous avez donc le côté de la façade qu'on a faite déjà, mais l'autre côté de la façade, et c'est ça qui est la particularité de la maison, comme vous pouvez le voir sur notre sur la maison que j'avais faite là-bas, c'est que le toit est assez court d'un côté et beaucoup plus long de l'autre, vous voyez. Hop, hop, donc c'est-à-dire que vous voyez ce toit-là qui se prolonge sur toute la façade, qui passe par devant nos autres toits ici, et qui rejoint l'autre côté comme ça. Et donc ce toit-là, ben, c'est celui qu'on va faire maintenant. Ok, l'idée c'est qu'on va venir reprendre nos escaliers en planche de chêne, hein, ok. Donc là, j'avais fait cette partie-là qui est en fait la même partie que de l'autre côté, d'accord. Et à partir de là, on va continuer. Hop. Donc l'idée c'est que l'on va. Hop. Ouais, bon alors je vais faire le toit déjà. C'est que l'on va du coup. Hop. Prolonger en gros notre décalage comme ça. Tout jusqu'au niveau de la poutre ici. En fait, notre toit à ce niveau-là va descendre tout jusqu'au niveau de la poutre ici. D'accord. Donc, je vais faire le contour du toit avec vous. Hop, comme ça, comme ça, comme ça, hop, 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 histoire que ce soit clair, ok, un, deux, ah oui non, ok. Et après, on prolongera le toit sur l'autre côté. J'espère que vous avez une meilleure appréciation des choses comme ça. Vous voyez, donc là, c'est vraiment le bord du toit qu'on a fait en escalier en sapin. Ok. Et donc, toute cette zone-là à l'intérieur, on va devoir la remplir avec des escaliers en chêne, hein, beaucoup plus classique. Paf, 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 etc. Etc. Bref, vous avez compris l'idée, et puis après on rejoint ce toit-là. Ok, évidemment, il faudra faire la même chose de l'autre côté et tout et tout. Alors juste, j'ai fait ces toits-là du coup, hein, comme je vous avais montré. À partir de ce bloc-là qu'on avait fait, on va laisser une bûche sortir comme ça. Pareil à ce niveau-là. Hop, ok. On va laisser des bûches ressortir. Ok, la même chose de l'autre côté de la maison, tout au bout là-bas, tout au bout du bout. Youp, on va laisser une bûche comme ça, une poutre ressortir comme ça de la façade. D'accord. Ok, donc bah allez, on continue. Hein. Hop, la façade, enfin le toit. Hop, voilà, donc j'ai terminé le toit et j'en ai même profité pour mettre aussi les nouvelles petites fenêtres sur un côté de la maison. Comme ça, je pourrais vous montrer la même chose de l'autre côté. Alors là, on va vraiment finir le toit pour cette partie-là, c'est-à-dire que l'on va mettre les petites fenêtres, les fenêtres qu'il y a sur le côté ici, la cheminée et la grande fenêtre hop, du dessus que vous voyez là-bas, du coup, sur toute cette partie-là de la maison. On va faire ça. Alors, ce que je vous invite à faire du coup, c'est de prendre le bout ici de votre maison. On va compter 13 blocs dans cette direction. Jusqu'ici, donc ça fait 13 blocs. Ok. On va prendre les dalles de sapin. On va descendre de 1, 2, 3 blocs. Et à partir de 3 blocs, on met une dalle ici comme ça. D'accord. Donc 3,
comme ça. Et on met en fait trois dalles en long, comme ça, tout simplement. Et en dessous des dalles, on va enlever ce bloc-là, on va enlever les trois en dessous, d'accord? Et on va faire les petites fenêtres en mettant des escaliers sur le côté, tac, tac. On va revenir prendre les escaliers comme ça, donc en sapin, ok? Pour les mettre ici, comme ça sur le côté, paf, paf. À l'envers, ici, paf, paf. Ok, maintenant à l'intérieur de la fenêtre, on voit que c'est un trou. Du coup, ce n'est pas intéressant d'avoir un trou. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va utiliser les escaliers en chaîne et on va venir les mettre à l'envers, ici comme ça. Alors l'idée même, c'est que on va venir mettre des escaliers à l'envers sur toute la toiture à l'intérieur de la maison. Alors je vais peut-être remettre un petit coup de... Comment on appelle ça, de la potion pour voir la nuit. Voilà, très bien. Hop. Et vous voyez donc tout l'intérieur de la maison ici. Comme ça, il faudra mettre des escaliers à l'envers sous la toiture. Sauf au milieu, bien sûr, parce que là, il n'y a pas la place. On pourra mettre une bûche de chêne comme ça sur la longueur, pourquoi pas. Moi, ce que j'avais mis dans la maison qu'on avait fait ensemble, du coup, j'avais mis des dalles comme ça, des dalles de sapin. Au niveau du toit comme ça. Voilà, vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez en réalité. Donc vous pouvez mettre voilà, soit une grande bûche qui fait tout le long de la maison, ce qui peut être bien aussi d'un point de vue charpente, ou alors comme j'ai fait là du coup avec des dalles de sapin. Alors une fois qu'on a fait ça, on va utiliser les vitres. Hop, ok. Et on va venir mettre des vitres comme ça derrière. Comme ça, ça nous fait une vraie fenêtre. Hop. Ok, l'idée c'est qu'il faudra faire exactement la même petite fenêtre à 11 blocs de décalage, c'est-à-dire vous prenez le bloc juste au-dessus et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 blocs et vous refaites la même fenêtre ici au même niveau, tout ça, d'accord? De l'autre côté de la maison, vous voyez en face de cette fenêtre-là, bioup, la même chose de l'autre côté en symétrique de la maison, d'accord? Donc... 1, 2, 3 blocs, les dalles en sapin, tac tac et toute l'histoire. Une fois qu'on a ça, on va faire peut-être la chose la plus sympa de la maison. Il y a plein de choses sympas, mais l'une des choses les plus sympas, c'est vraiment ce côté mosaïque que vous avez sur le toit ici. Regardez sur sur la maison là-bas, hop, toutes les mosaïques qu'il y a sur le toit. Avec des escaliers de différentes couleurs, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très 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 bien. Et donc on va utiliser des escaliers en sapin. Et on va venir en mettre en fait pas mal sur... Ah oui, alors forcément ça met des escaliers à l'envers des fois. Hop. Bon. L'idée c'est d'en mettre à l'endroit évidemment. Et l'idée c'est que plus vous êtes proche du sommet du toit, plus vous en mettez. Vous mettez peut-être un coup sur deux, voire deux coups sur trois. Vous mettez des escaliers en sapin, d'accord? Vous mettez vraiment beaucoup d'escaliers en sapin sur le dessus, ici, sur toute la longueur. Puis un petit peu moins à la ligne de dessous, puis un petit peu moins à la ligne d'en dessous, etc., etc. Pour avoir de moins en moins d'escaliers en sapin en allant vers le bas du toit. Hop, hop, hop. Ah bah non, voilà. Etc., etc., hein, vous avez compris. Hop. Alors là, du coup... Dans ma précipitation, j'en ai mis juste au-dessus des fenêtres. Il vaut mieux éviter de mettre des escaliers comme ça directement collés aux fenêtres. Sinon, on les voit moins. On voit moins les fenêtres, il y a moins de contraste. C'est un petit peu dommage. D'accord? Hop. 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 Et ici, on est vraiment bas, donc on n'en met pas beaucoup. Juste deux comme ça. Et vous voyez l'idée. Donc là, ça nous fait, par exemple, vous voyez, un petit peu... Un pâté, un peu un gros pâté d'escalier en chêne, en sapin. Donc il vaut mieux espacer un petit peu ça, vous voyez, et faire des trucs un petit peu comme ça. Ok, donc voilà, on fait évidemment des deux côtés de la maison. Et puis voilà. Alors, maintenant, concernant les cheminées. On va mettre deux cheminées l'une à côté de l'autre qui ne seront purement décoratives parce que j'ai pas pris le... Oula. Le temps de mettre une vraie cheminée à l'intérieur de la maison, donc ça sera des cheminées purement décoratives.
L'andésite poli ira avec nous cette fois-ci, et je vous invite comme, pour prendre comme repère le haut de ce toit-là. D'accord ? Donc on est vraiment ici sur la maison, pour avoir un repère. Ok ? Et on compte 1, 2, 3, allez, 4 blocs sur le côté. D'accord ? Une fois qu'on a fait ça, les blocs qui sont juste en dessous, donc les escaliers juste en dessous, c'est ceux-là. On enlève les 3 blocs d'escalier et on met de l'andésite poli à la place. Ok ? Puis on va compter 9 blocs en hauteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et ceci sur les 3 blocs de largeur pour faire notre escalier. Pas du tout notre cheminée. Je vois qu'il y en a qui vous suivent, c'est bien. Des pots de fleurs iront avec nous sur le dessus de cette cheminée, voyez-vous. Et il faudra faire la même chose de l'autre côté de la maison, bien sûr. Ça nous ramène ici. Hop, 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 hop. Et c'est aussi pour ça qu'il est important de mettre des escaliers à l'envers à l'intérieur de la toiture, parce que sinon, eh bien, vous voyez les bases de la cheminée à l'intérieur de la maison, ce qui peut être un peu bizarre, sachant qu'on n'a pas mis de vraie cheminée dans la maison. Donc, quand on met, voyez, des escaliers à l'envers dans la toiture, déjà, c'est plus joli vu de l'intérieur, mais en plus, voyez, eh bien, on ne voit plus du tout la cheminée, donc c'est cool. Alors, autre chose maintenant, on va continuer avec ici notre serre. Qui dit serre, évidemment, dit du verre. Du verre, donc on va d'abord utiliser les bûches de bois. Oui, j'ai dit qu'on utilisait du verre, mais en fait, on va prendre les bûches. Et on va venir ici, là, vous voyez, au niveau de ce bord de toit. Et on va venir mettre des bûches ici, comme ça, sur chaque partie du truc. Voilà. Alors, bref, je sais plus où parler. On va mettre, du coup, un mur en bois juste en dessous des bûches. N'est-ce pas? Hop. Ok. Et pour tout le reste de la serre, on va utiliser les blocs de verre. Hop. Alors, on pourrait utiliser des vitres, mais je vous invite fortement à utiliser des blocs de verre. Pourquoi? Bah, pour une raison très très simple. On va utiliser des blocs de verre ici aussi. C'est pour le toit à ce niveau-là. Si on utilise des vitres, il va y avoir des trous partout. Comme je disais, je crois, un petit peu avant. Regardez. Hop. Alors que là, avec des blocs de verre... Hop. Eh ben c'est tout nickel, tout propre et tout. Hop, joli comme un camion. Hop. Hop, vous voyez, et il n'y a pas de trou, nickel, tout va bien. Donc l'idée c'est ça, on va venir mettre des blocs de verre sur l'ensemble de la longueur du toit, bien sûr. Hein, donc ici et là-bas, ainsi que là. Alors... On va venir utiliser... Ah bah voilà, il y a ma potion qui fait plus effet. On va venir mettre des blocs de verre ici, comme ça. Alors, je vais peut-être ressortir. Hop, comme ça. Et l'idée est que on va venir utiliser... J'essaie de chercher les escaliers. Des escaliers en sapin, toujours les mêmes. Pour entourer notre partie en verre qui rejoint la maison. Histoire de... Hein, voilà. Exactement. Voilà, donc on fait ça, hein. Hop, hop, et hop. Ok, donc on a mis le toit, hein, comme vous pouvez le voir présentement. Alors ici, du coup, entre la serre et la maison, on va mettre évidemment un mur en verre aussi. Hop, n'est-ce pas? Et il nous reste donc les murs ici et là qu'on fera de la même façon. Alors, l'idée c'est que l'on va mettre une ouverture, une porte de 2 blocs de large sur 3 blocs de haut ici. D'accord? Et tout le reste, on va le faire en vert. Hop. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir utiliser les blocs de vitre pour faire quelque chose de méga stylé. On va mettre des vitres ici sur du vert et on va venir mettre des portes. Hop, à l'intérieur, ici comme ça. Et oui, on va mettre un dessus de porte en vitre autour du verre parce que, eh bien, pourquoi pas? Ça fait stylé, on aime bien. Hop,
Hop. Alors, une fois qu'on est ici à l'intérieur de notre serre, on va utiliser... Alors, normalement, j'avais dit qu'on allait faire les toits, mais on fait ça rapidement, c'est-à-dire l'escalier qui va permettre d'aller sur cette plateforme-là jusqu'en bas ici, ok? Donc, on va venir creuser sur les deux blocs à ce niveau-là. On va venir mettre des escaliers. Hop, hop, hop. Vous voyez, comme ça, magnifiquement, présentement. Promptement, et on va mettre aussi des escaliers à l'envers, bien sûr. Paf, 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 paf. Et bien voilà. Alors, on va utiliser bien sûr aussi les bûches de chêne. Pouf, 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 pouf. Et je sais qu'il y en a que ça énerve quand je dis pouf. Mais j'en ai rien à foutre. Alors, voilà, simplement. Présentement, bon. Alors, on va passer à cette partie-là du toit. Qui va être magnifique, comme vous pouvez le voir sur notre modèle incroyable et joli. Voilà. Donc, on va utiliser des escaliers en sapin. Une fois n'est pas coutume. On va venir partir de la serre ici et compter 6 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs ici. Ok. On va venir mettre juste une dalle pour avoir un bloc complet. Et on va enlever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs. Et on va remettre une dalle ici. Donc là, j'avais mis des escaliers pour faire un repère pour moi. Hein, mais voilà, n'en donnez pas compte. Et du coup, eh bien, on va mettre... on va faire des trous ici aussi sur le côté, sur 4 blocs de comme ça. Et on va enlever tout ça. D'accord ? Donc ici, sur les 3... escaliers qu'il y a en dessous de notre petit repère ici, on va les enlever aussi comme ça, et ce sur toute la longueur. Pareil de l'autre côté rapidement, hein, hop. Hop, comme ça. Et là-dessus, on va mettre du coup, hop, des escaliers à l'envers en sapin sur le côté des escaliers en chêne. Hop, voyez. Paf, paf, paf. Je vérifie quand même un petit truc. Ouais, donc c'est comme ça, effectivement. C'est bien, j'ai pas fait d'erreur. Pour une fois, je suis content, vous voyez. Alors, on va reprendre les escaliers comme ça, ok. Une fois qu'on a mis les escaliers à l'envers, on va mettre des escaliers à l'endroit par-dessus, comme ça. Et on va en mettre aussi sur la longueur. Hop. Hop, 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 hop. Ok. On va utiliser les fameuses dalles de sapin. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. ici par-dessus, comme ça. Très bien. Maintenant, on va utiliser les blocs de vitre. Hop. Et on va aller vers les mettre comme ça. Hop. Vous voyez ? Hop, et là je suis emprisonné à l'intérieur de mon toit. Mais en fait c'était voulu. Car voyez-vous, reprenez notre poutre qu'on avait juste en dessous ici. Allez, prenez le milieu et on va mettre un support comme ça au-dessus de notre toit vitré. Comme ça il a un support, une sorte de support. Et c'est pour ça qu'on avait mis la poutre en dessous, vous voyez. Ah mais on n'est pas, les derniers. Hein. Hop. Voilà, alors maintenant, on va utiliser cette partie-là de la maison, on va mettre les fenêtres dedans. Je vous invite à venir prendre ce bloc-là, donc à côté des fenêtres, j'allais dire, des cheminées. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. À partir de ce 6e bloc, on va compter 1, 2, et juste à la base de ce deuxième bloc, ok, d'escalier, on va mettre des dalles de sapin, et on va les mettre sur 7 blocs de longueur. D'accord, on va espacer de 3 blocs ici. Et on va remettre 7 blocs de longueur de dalle. D'accord. Ok, une fois que vous avez ça, on va tripler okay, la largeur de ces 7 blocs. Hop, comme ça. On va venir réutiliser les blocs de verre en dessous. Et on va enlever les blocs d'escalier qu'on avait mis en dessous. Et on va les remplacer par les blocs de verre.
Hop. Comme ça. Très bien. Alors, maintenant du coup, je vous invite à faire le rez-de-chaussée. On va mettre tout en place au niveau du rez-de-chaussée, les portes, les fenêtres et tout ça. Alors déjà, on va reprendre vite fait les escaliers en sapin. Ok, on va venir les mettre, vous voyez, sur le coin ici. Ok, paf, comme ça. Et puis, hop, on va mettre des... alors évidemment, tout ça à l'arrière, on n'en met pas. On met des escaliers comme ça pour rejoindre le mur ici, pour faire un support, hein, vous l'aurez compris, avec des escaliers, évidemment, dans l'autre sens, pour faire vraiment quelque chose de... comme si ça retenait le poids de la maison. Alors, ici, en plein milieu, je vous invite, du coup, à prendre le milieu du mur qui est là, et de part et d'autre, on va faire des trous de 4 blocs de hauteur sur 2 blocs de large, pour pouvoir mettre des portes, en fait. On va venir remettre... hop, voilà les petits blocs de roche ici comme ça. Et on mettra des portes. Alors tant qu'à faire, on va finir les portes tout de suite. Hein, on va les mettre comme ça. Et on va utiliser des vitres tout simplement pour les mettre au-dessus. Hop, comme ça. Et on va utiliser alors soit de la diorite, soit des dalles de roche lisse. Ici. Et on va venir faire... quelque chose comme ça, un espèce de petit toit ornemental pour les machins. Alors ici on peut pas, voilà, ici on va mettre du coup des petites lanternes, ou alors peut-être juste une, ah ben non, on peut pas mettre une en plein milieu, bah deux lanternes comme ça pour faire un petit peu d'éclairage. Alors ici sur le côté, je vais peut-être reprendre les potions du coup. Hop, ok, donc je vous invite à prendre ce mur-là, du coup, on va venir partir du coin, on va monter d'un bloc, un autre bloc sur le côté, et à partir du troisième bloc, on va ouvrir le mur sur 5 blocs de large pour faire une fenêtre de 5 blocs sur 3 blocs de hauteur, d'accord? Faites qu'il va être large comme ça. Hop, ok. Évidemment, on met des vitres dedans. Hop, ok. Une fois qu'on a ça, on va venir utiliser les dalles de diorite, parce que j'aime la diorite. La diorite, c'est beau, mais il n'y a personne qui l'utilise, donc moi, j'utilise la diorite. Hop. Oui, j'ai pas besoin de donner d'explications, je suis tout à fait au courant, mais... on va venir utiliser des dalles de diorite juste ici pour une petite ligne de dalles en dessous de la fenêtre, ainsi que au niveau du dessus de la fenêtre. On va faire un peu la même chose, faire quelque chose comme ça. Ok. On va hop, se déplacer ici sur le devant de la maison et on va faire, on va venir reprendre les dalles de roche lisse. Ok, on va venir les mettre tout autour de la porte d'entrée finalement. Hop, comme ça. Hop. Et je crois qu'on va pouvoir mettre hop, quelque chose comme ça. Hop, hop, hop. Et à l'intérieur, on va pouvoir faire la même chose. Donc, on va enlever ces pierres-là. Hop, ok. Est-ce qu'on est bon? Je crois qu'on peut en mettre un de plus. Ok. Et ici, vous voyez, on va enlever cela aussi, pareil. Et ça nous fait une entrée, ma foi, assez mastoc. Mais bon, ça fait son affaire. Ici, sur le côté du coup, on va rien mettre sur ce côté-là, sur ce mur-là, parce qu'il y aura de la végétation. On va faire un truc stylé. Alors ici, vous prenez tout simplement le coin du mur, vous montez d'un bloc, et les trois blocs sur le côté, là vous faites un trou sur trois blocs de large, sur trois blocs de haut. Pareil ici sur le côté, trois blocs de large, trois blocs de haut. Hop, 1, 2, 3 blocs, et on remet trois blocs de fenêtre ici comme ça. Hop, re 3 blocs de fenêtre avec un bloc d'espace. Trois blocs d'espace ici, et re une fenêtre de 3 par 3, ici trois blocs d'espace bien sûr. Hop,
Et voilà, refenêtre de 3 par 3, hop, avec un petit peu de recul, vous voyez ce que ça donne. On colle deux fenêtres de 3 en gros, juste à côté l'une de l'autre. Et puis on fait ça comme ça. Hop, on se met sur le côté ici et on va laisser deux blocs de chaque côté du mur, ici, ici et ici. Et on va faire un grand, une grande fenêtre de 4 blocs, de 5 blocs, pardon, de large comme ça. Ici sur le côté, on va faire un trou de 2 blocs de large sur 4 blocs de haut pour faire des portes. Une ouverture comme on avait fait là-bas. Hop, ici on laisse donc 2 blocs d'écart, on va mettre 3 blocs de fenêtres, d'accord. Ici 3 blocs d'écart et on remet 3 blocs de fenêtres. 3 blocs de large sur 3 blocs de haut. Hop, 1 bloc d'écart et re 3 blocs de fenêtres. Avec un peu d'écart, voilà ce que ça donne. Hop, on va sur le côté ici et on va laisser 3 blocs d'espace. Ok, sur le côté de chaque côté hein, du mur. Et en plein milieu, on va mettre juste 2 blocs d'espace et 4 blocs de haut pour nos portes. Exactement comme ce qu'on avait fait de l'autre côté, bien sûr. Je remontre pas, évidemment, c'est la même chose. Pour les fenêtres, par contre, on va faire une petite... comment on appelle ça, décoration sympathique. On va mettre des lignes de dalles en dessous, hein, classique. Et puis, hop, au-dessus. On va faire ça comme ça, d'accord ? Évidemment, on mettra des vitres à l'intérieur, hein, ça c'est pas... Hop. Hop. Et on va faire toutes les fenêtres comme ça, d'accord ? Donc toutes les fenêtres en 3 blocs de large. Donc ici, toute la rangée là, etc. Ici, cette fenêtre est un petit peu plus large, donc on va mettre une ligne de bloc en bas, classique. Et on va venir mettre, hop, une ligne de bloc, une ligne de dalle, on va dire comme ça. Et on va mettre évidemment les vitres. Voilà ce que ça donne. Ok, donc on va faire les piliers quand même, ça serait sympa. Donc on va mettre les piliers en andésite poli, on va les faire rejoindre le plafond quand même. Et on va utiliser de la diorite, parce que j'aime la diorite. Et on va utiliser la diorite jusqu'à 1, 2, 3, 4 blocs de hauteur, ok. Alors la diorite polie par contre, ou la diorite normale, je ne me rappelle plus. C'est de la diorite normale, donc diorite. Ok. Donc, de la diorite, hop, comme ça, sur 4 blocs de hauteur sur tous les côtés du pilier. D'accord. Et on va venir utiliser des escaliers en roche sur le dessus. Hop, comme ça. Ok. Il me semble qu'il y a aussi à la base des... Non, c'est comme ça. D'accord, ok. Donc les piliers, on va tous les faire comme ça. Ok. Et puis voilà, donc l'idée, voilà. Je fais tous les piliers, je fais les fenêtres et on se retrouve juste après. Ok. Hop. Hop. Ok. Alors maintenant, on va utiliser les dalles de roche lisse pour pouvoir les mettre... Ici, du coup, sur notre terrasse, sur notre bordure de terrasse, ok, donc sur la partie dessus du bloc, hop, et on va vraiment mettre une ligne comme ça de bloc sur toute la longueur de la terrasse, sauf, vous voyez, au niveau de cette partie-là, on va juste mettre des dalles ici, comme ça sur le côté, ok, et on va laisser 4 blocs ici, comme ça, de vide, parce que c'est à cet endroit-là qu'on va mettre l'escalier, d'accord ? Donc on va faire ça comme ça, et on continue ici, hop, et pareil de l'autre côté, hein, et bien sûr on continue dans ce sens là. Ok, on va revenir du coup au niveau de la façade, on va prolonger évidemment nos blocs ici sur la façade, nos dalles je devrais dire, hop, ici jusqu'à sur le côté, et une fois qu'on va arriver à là, on va utiliser toujours les dalles, mais on va les mettre juste au-dessus, comme ça, ok. Et on va faire une ligne ici. Et on va la prolonger, hop, comme ça. Hop, tout le long, et puis voilà, de ce côté-là, pareil. D'accord. Ok. Une fois que l'on a ça, on va pouvoir faire l'escalier, tant qu'à faire... On va faire l'escalier, donc on va le faire avec des dalles d'andésite poli. Alors, andésite
Dalle d'andésite polie. Voilà, très bien. Du premier coup. Hop. On va les mettre ici comme ça. Ok. Puis, on va les mettre un bloc en dessous. De cette manière. Paf. Vous avez compris le principe. On met les marches sur 4 blocs de longueur. Hop. Et ici, ça doit être ça. Ok. Alors, évidemment, en dessous ici, on va enlever, on va mettre des blocs d'andésite. Ok. À la place. Et donc, ces marches-là, on va mettre 2 blocs de large, de dalle de large, je devrais dire, sur chaque marche. Hop. Ok. Comme ça. D'accord. Une fois qu'on a ça, on va venir utiliser les escaliers, non pas les, les dalles de roche lisse, et on va venir mettre une rambarde. Hop, alors on va mettre plutôt des blocs de roche lisse, ça sera plus joli. Hop, comme ça. Pour faire une rambarde hein, d'escalier, toujours l'idée. Hop, voilà. Et une fois qu'on a ça, du coup, on va venir prolonger ici l'andésite polie dans le sol. Hein, on va faire un petit chemin. Hop. Alors là, j'ai cassé un petit peu beaucoup, mais hop. Voilà. Bref, on se fait un petit chemin jusqu'à où vous voulez, en fait, jusqu'à ce que ça sorte de la parcelle, si vous êtes sur une parcelle en particulier. Hop. Donc voilà, c'est un chemin qui, voilà, qui n'a pas vraiment de fin. En réalité, vous le reliez au réseau de route de votre serveur, de votre map, et c'est très très bien, ok, vers l'infini et par là-bas, pour reprendre évidemment, bref, du coup, ici du coup, on va venir mettre une, comment on appelle ça, un rebord comme ça, ah bah si j'avais utilisé les dalles, tiens, vous voyez, bah regardez ce que ça donne avec les dalles, lorsqu'on n'utilise que des dalles pour faire le rebord, ok, donc je vais utiliser quand même des enclumes avec des plaques de pression par-dessus, pour pouvoir faire la bordure. Et regardez du coup ce que cela donne avec les blocs de roche lisse plein. Du coup plutôt que les dalles. Vous voyez un peu la différence. À vous de voir, à vos préférences. Ici on va mettre quand même des dalles, des roches lisses dans le sol comme ça. Paf paf. Hop, jusqu'en haut. Enfin jusque là parce que là on est bloqué. Et puis on va rajouter des plaques de pression en pierre par-dessus. Alors pas, en haut, pas sur celui qui est tout en haut. Et ici on peut pas non plus. Hop. Alors, l'idée, c'est que... Ah, d'ailleurs celui-là on va plutôt le mettre dans ce sens-là. Ok. Et on va prolonger les enclumes sur cette rambarde-là. On va pas le faire tous les coups d'ailleurs, je suis en train de remarquer. On va le faire qu'une enclume un coup sur deux. D'accord. Avec des dalles par-dessus, ça c'était ok. Donc on va mettre des enclumes, paf, paf, un coup sur deux, comme ça. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Et on va reprendre les dalles de roche lisse, on va les mettre par-dessus. Hop. Hop. Alors on va bientôt arriver au bout, voilà. Hop, voilà. Et on va refaire la même chose ici sur la longueur, hein, tout sur pas tout tout le tour de la maison en fait. Hein. Yep. Ok, puis après on continue évidemment sur l'autre partie de la maison. Et du coup, on va s'intéresser maintenant aux fenêtres et aux portes des étages de la maison directement, la partie en bois. Et on va commencer par ici. Du coup, les portes, on va la décaler de 2 blocs sur le côté du mur. On va laisser 2 blocs sur le côté du mur. Et on va refaire des escaliers, pas du tout. Des portes, par contre, voilà, qui sont de 3 blocs de hauteur. Ok. Et on va mettre une ligne de blocs au-dessus, comme ça. Une fenêtre, comme ça, au-dessus. Hop, on va revenir reprendre, évidemment, les vitres. Hein, paf, paf. Hop.
et on va venir utiliser les escaliers en sapin au-dessus des portes. Hop, hop, hop. Ok. Donc, les trappes en chaîne, on va les mettre comme ça. Et évidemment, au milieu, bah, il faudra mettre des portes, ça vous l'aurez compris. Donc ça, voilà, la manière typique de que l'on va faire des portes sur la maison. C'était pas très français ce que j'ai dit, mais on a compris l'essentiel, je pense. Ici, du coup, on va utiliser... On va laisser un bloc sur le côté comme ça. On va mettre 3 blocs sur 3 blocs de haut pour faire une fenêtre. Hop, pareil à côté. Ici, le bloc qui sépare les deux fenêtres, c'est le milieu de la partie ici. D'accord. Hop. D'ailleurs, on va les faire que de 2 blocs de hauteur. Que de 2 blocs comme ça. Et on va mettre une fenêtre tout en longueur au-dessus comme ça. Ça va être vraiment le pattern typique qu'on va retrouver partout. On va en faire ici, 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 là-bas sur les côtés. Ça va être exactement la même chose que ce que je vous montre ici. D'accord. Donc, on va reprendre évidemment les vitres. Hop, 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 hop. Hop. Avec les trappes en chaîne au-dessus. Hop, comme ça. On va aussi mettre des trappes à côté des fenêtres hein, pour pouvoir... hop. Comme ça. On va utiliser les escaliers, pas du tout, les dalles en sapin. Une petite ligne de dalle en dessous et évidemment au-dessus aussi, paf, comme ça, d'accord. Et ça, c'est vraiment le pattern ultra classique qu'on va retrouver ici, ici, là, pareil, ça sera partout pareil, d'accord. C'est vraiment ça l'idée. Alors, une fois qu'on aura fait ça, on va utiliser des dalles en chaîne et on va venir mettre des dalles en chaîne ici sur notre poutre hein. qu'on avait fait, bah dis donc, c'est pas un cadeau ce mot là. Hop, et on va entourer complètement ici, vous voyez, notre petite terrasse comme ça. La terrasse, d'ailleurs, on va utiliser les escaliers en chaîne. On va venir ici sur le bloc qui dépasse et on va venir mettre des escaliers à l'envers comme ça, les uns à côté des autres, et comme ça, vu de loin, ça nous fait une espèce de barrière avec des supports comme ça. Bref, ça fait joli. Hop, la même chose de ce côté-là, jusqu'au mur, hop, et on va combler la barrière avec des trappes en chaîne sur le dessus, hop, hop, comme ça, d'accord, très bien. Et puis, ben, sur le dessus ici, alors sur cette partie là, on va utiliser juste une porte voilà, de 2 blocs de large sur 3 blocs de haut. Voilà, avec un petit bloc d'espace par rapport au pilier. Un bloc d'espace et une fenêtre de 4 blocs de large sur 2 blocs de hauteur. Et au-dessus encore, on va mettre une grande fenêtre qui va faire toute une ligne comme ça. Pareil. Hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Alors les dalles en sapin du coup effectivement ouais. Alors non, ici ce sont des escaliers. Et sur le dessus des trappes. Ok. Hop. Hop. Bref, vous avez compris le principe. À chaque fois c'est la même chose du coup hein, pour garder une cohérence dans la maison. On va reprendre les pop-portes. Hop, alors ça j'en ai besoin, hop, on va faire ça comme ça. Et puis voilà, donc il faudra faire la même chose ici, 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 partout sur la maison, hein, la même chose ici des portes, et tout ça. Allez, let's go. Hop, voilà, c'est un petit peu plus de tronches tout de suite. Alors, on va se retrouver ici sur notre terrasse et on va revenir reprendre nos blocs de dalles de sapin, de chêne, pardon. Et on va venir faire des petits trucs comme ça, parce que ça fait joli. On va venir faire ici au-dessus une sorte de fenêtre. Hop, on va venir reprendre des dalles en sapin. Hop, comme ça, une au-dessus. Et puis voilà, on met de la vitre dedans, hein, bien sûr, etc. Et puis voilà. Alors, maintenant, on va venir sur le côté de notre... comment on appelle ça? De notre maison.
tout simplement. Et on va venir utiliser des feuilles de chêne que l'on va venir mettre comme ça, par exemple. Hop. Vous voyez ? Quelque chose comme ça. On va venir faire une autre branche, par exemple, qui passe comme ça. Hop, voilà. Dans l'idée. Autre branche qui part un peu comme ça. C'était l'astuce qu'on utilisait à l'époque où il n'y avait pas encore de lianes ou de vignes. Enfin bref, vous avez compris, sur Minecraft. Et moi j'aime bien. Regardez, ça donne vraiment un peu, en même temps du relief et du détail à la maison et un côté vivant supplémentaire. On va faire la même chose ici. On va utiliser... Hop. Hop, comme ça. De la végétation. Et ça fait sympa. Ça fait un peu au côté château avec du lierre qui monte dessus et tout, vous voyez. C'est cool, c'est cool. Alors ici, vous pouvez le voir, en dessous de notre préau, ça manque un petit peu de lumière. Donc on va utiliser des chaînes avec des lanternes. Hop. Alors, on va mettre des lanternes quelque part par ici, par exemple, espacées de 3 blocs par rapport au mur et entre les fenêtres à chaque fois. D'accord, entre les fenêtres, donc ici, ici, hop, normalement c'est tous les 4 blocs après, une fois qu'on les a posés, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, bon, en tout cas on va faire tous les, ah bah non, je me suis trompé, c'est effectivement tous les 4 blocs, 1, 2, 3, 4 et 5, paf, donc 4 blocs entre et au 5ème bloc on pose 1, 2, 3, 4, paf, 1, 2, 3, 4, paf, paf, ok, bah c'est pas mal. En dessous de nos chaînes, on va mettre nos lanternes. Hop. Les lanternes, j'aime beaucoup parce que ça donne un éclairage jaunâtre chaleureux. Et vous voyez, on est beaucoup plus, ça donne quelque chose de beaucoup plus sympathique. Alors, on va rendre les choses encore plus sympathiques en utilisant les escaliers dans des sites polis. Et on va venir les mettre, hop, comme ça. Voilà. En soutien, ici comme ça. Ça nous fait un petit peu l'effet de créneau, vous savez, dans les remparts d'un château. Et on aime, tout simplement. Comme les machins à manger, là, les nems. Bref, non, faut que j'arrête les blagues, moi, faut que j'arrête. Alors, une fois que l'on a ça, eh bien, moi, j'ai très envie de faire la façade. Et la façade, on va la faire étape par étape. Enfin, comme tout le reste, vous allez me dire, mais la façade aussi. Alors, on va venir au niveau du sol, à ce niveau-là. On va mettre des blocs comme ceci, voyez-vous, magnifiquement. Hop, paf, paf. D'accord, orienté vraiment vers l'extérieur, comme ça. Je vais venir reprendre une potion de vision nocturne, parce que c'est vrai que ça sera plus agréable pour vous. Hop. Voilà, on va venir reprendre nos bûches et on va venir mettre une ligne de blocs entre nos deux piliers comme ça. Ok, on va venir prendre des blocs de verre. Les blocs de verre... Là, du premier coup. Hop, on va venir compter ici 1, 2, 3, 4, 5, hop, et 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici. On va venir reprendre nos bûches de chêne et on va venir faire... deux blocs par dessus et alors au dessus ici comme ça on va venir mettre des vitres jusqu'au dessus, enfin jusqu'au toit, hop, comme ça, d'accord. On va venir reprendre nos bûches de chêne et on va venir mettre, alors je sais plus exactement, ok, voilà, donc en face des machins. Hop, on va venir reprendre nos bûches de chêne, je disais, et à la même hauteur que le dernier bloc qu'on vient de poser, on va venir mettre une ligne de bûches. Hop. Hop, comme ça, on refait la même chose de ce côté-ci. Très bien. Et l'idée maintenant, eh bien, on va tout simplement prendre les blocs de verre, et on va remplir tous les trous ici, là et là, avec du verre. Hop. J'ai mis les vitres et vous voyez, d'un seul coup, ça nous fait quelque chose de beaucoup plus habillé, on va dire. On va venir prendre les bûches de chêne écorcées. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? On va venir prendre des bûches normales, d'accord. Et on va venir utiliser des haches,
des haches en or évidemment pour que ça soit plus goldé. Hop, hop, on fait des coups, clic droit dessus et ça nous fait des bûchers corsés. Ok, on va venir en mettre deux blocs par devant nos piliers ici comme ça, deux blocs ici sur le côté, deux blocs en hauteur évidemment de l'autre côté, en symétrique. Très bien. Une fois que l'on a ça, on va venir utiliser des escaliers en chaîne et on va venir les mettre de cette façon. Hop. Alors, au niveau de la façade en question. Ouais, c'est ça. On va les mettre dans l'autre sens. C'est-à-dire que on va mettre les escaliers. Donc, alors là, c'est important ce que je vais vous dire. Du coup, de ce côté-là, on va venir mettre les escaliers comme ça, d'accord? Donc le creux de l'escalier côté bois. Hop. Et de l'autre côté, pareil, le creux de l'escalier ici, côté du bois. Paf, paf, hop, paf, paf. On fait ça comme ça et on laisse le creux au milieu comme ça. Ok? La ligne du milieu, là qui est en plein milieu, eh bien on ne met pas d'escalier dessus. Sur le dessus des autres escaliers qu'on vient de mettre, on va mettre un escalier en symétrique au-dessus comme ça. D'accord? Hop. Comme ça. Jusque là, on est bon. On va utiliser les dalles de chêne maintenant. On va les mettre ici et ici. Ok. On va les mettre aussi par-dessus nos bûches écorcées. Hop. Hop. Voilà. Donc ça, c'est pour la première partie. On va venir reprendre les escaliers en chaîne. On va les mettre comme ça, comme ça, comme ça. Et alors là, on va jouer un petit peu de... Ah oui, alors c'est pas ici, c'est là, voilà. Il faut réussir à les mettre d'autres escaliers au-dessus, évidemment, en symétrique, ce qui n'est pas forcément hyper classique, enfin hyper évident. Mais vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Du coup, je remontre hein, ici les escaliers, hop, dans ce sens-là. Et les escaliers au-dessus, comme ça. Ok. Voilà. Et ça, ça donne un côté plutôt sympa. On va continuer avec les escaliers. On va les mettre, hop, ici et ici. Et on va venir joindre en dalle les deux comme ça. On va venir mettre des dalles comme ça. Et un escalier comme ça. Ouais. Hop. Et paf. Je ne les ai pas mis exactement de la même façon des deux côtés. Donc il faut bien les mettre comme ça. C'est plus joli. Ok. Une fois que l'on a ça, est-ce que j'avais mis une barrière entre... Non. Et je les avais mis à l'envers sur les escaliers. Ah. Donc les escaliers ici, à l'envers. Hop. Hop. Très bien. Ok, donc maintenant on va devoir utiliser des supports. On va utiliser des escaliers en sapin à l'envers pour pouvoir mettre ici, hop, hop, des supports pour les machins comme ça. Je crois que j'en ai mis un petit peu beaucoup là. Hop, on va laisser deux blocs en fait dépasser de notre poutre ici. Et à partir de la troisième bloc ici comme ça, on va mettre des escaliers en sapin. Et on va faire ça comme ça, d'accord? On va faire ça ici, on va faire ça de l'autre côté ici aussi bien sûr. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal. Et on va venir faire un autre truc ultra stylé lui aussi. On va venir reprendre les bûches de chêne. On va venir enlever cette partie-là du toit. Et hop, on va venir faire des lignes de bûches comme ça. En les faisant dépasser d'un bloc du toit, comme ça. Ok. Et ces escaliers-là, on va les mettre ici et ici. Pour faire... Un support supplémentaire. Et vous voyez, là, tout de suite, ça donne
C'est un côté sympa. Alors, on va utiliser encore les escaliers en sapin et on va venir mettre un support ici pour le toit qui dépasse. Donc, on va remplacer cet escalier-là. Oui, on remplace beaucoup de choses dans ce tutoriel. C'est ma façon de builder, comme je disais. Et on va mettre des escaliers comme ça. D'accord, pour faire un support pour le toit. Et on va enlever cet escalier-là aussi. Paf, comme ça. Ok. On va un petit peu plus loin, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs, peut-être, 7, ouais 7 blocs, hop, pour faire un autre support ici comme ça. Tiens d'ailleurs, pourquoi est-ce que cette partie-là, le bûche de chêne, elle tient pas le... Je coupe plafond, qu'est-ce qui s'est passé? Hop. Hop. Ok. Eh bien, ma foi, ça donne quelque chose de plutôt pas mal. Ça en jette un peu, quand même. Alors, on va venir mettre une fenêtre ici dans cette partie-là de la maison. Évidemment, avec la ligne de... Hop. Alors ça, c'est des escaliers. C'est pas ça que je veux. La ligne de... Bon, j'ai pas de dalle en sapin, mais vous avez l'idée. On va faire la même chose. Dalle en sapin au-dessus, en dessous. Des trappes sur les côtés, etc., etc. Donc, une fenêtre ici. Ici, pas de fenêtre. Mais on va faire un truc que j'adore, qui est vraiment peut-être la petite touche la plus sympa de la maison. Même s'il y a plein de petits trucs sympas. Mais ça, c'est vraiment le kiff de ouf. Vous voyez ça. Les guirlandes de lanternes un petit peu posées de manière un peu aléatoire, comme pour faire un espèce de ciel étoilé féerique un peu sympa comme ça. Moi je kiffe, c'est peut-être ma partie préférée de la maison, clairement. Et alors ici il y a beaucoup de... J'ai mis beaucoup de trucs. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc je vous invite à vous munir de feuilles de chêne, de chaîne tout court, ainsi que de lanterne, et vous voyez pour la fenêtre un peu comment ça donne. Et puis voilà, on va faire pousser un arbre aussi. Hop, moi c'est vraiment un truc que je kiffe. Alors on va mettre des chaînes pendre un petit peu n'importe où. On va en mettre 5-6. Hop, une comme ça peut-être. Peut-être une ici. Un peu moins grande. Peut-être une ici aussi. Hop. Hop. Genre là aussi, peut-être. Est-ce que ici aussi? Ah oui, alors du coup, les chaînes peuvent se mettre à la verticale, à l'horizontale, donc faut faire attention. Mais voilà. Est-ce qu'on peut en mettre une de plus? Peut-être une un peu plus haute qu'on... Un peu plus haut que les autres. Hop, donc on met des lanternes comme ça. À différentes hauteurs, évidemment. Et voyez ce que ça donne. Oh, c'est trop bien, moi je kiffe. Oh, sans déconner. Ah mais c'est trop sympa. C'est trop sympa. On va en mettre une toute petite ici. Genre deux blocs de haut là. Hop, comme ça. Oh là là. Oh, moi j'aime bien. Je sais que je sais pas si je vous l'ai dit déjà, mais j'aime bien. Alors, on va utiliser les feuilles de chêne comme on l'avait fait précédemment. Hein, je vous ai déjà montré. J'y vais rapido. Hop, hop. Hop, allez, vas-y. Hop, 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 hop. On est vraiment sur des parties de la maison auxquelles on n'ira pas souvent après, une fois qu'elle sera construite. Hop. Hop. Et voilà, pareil. On l'a fait dépasser un petit peu, vous voyez, sur la façade, pour donner un petit peu plus de couleur, hein, plus de choses sympathiques. Ici, du coup, sur les jardins surélevés, on va faire un petit arbre. Alors... On peut avoir des mauvaises surprises avec les arbres, malheureusement. Comme ça. On va le mettre ici, ok. Et on peut malheureusement avoir des petites mauvaises surprises. Il faut pas qu'il pousse trop grand. Voilà, donc là c'est bon, notre arbre il est pas trop grand, donc c'est ok. Et puis après, on peut mettre
des fleurs de deux blocs de hauteur pour essayer de faire ressortir un peu les choses. Genre le lilas c'est pas mal, c'est pas trop flashy, le rosier ça serait trop rouge, donc je vous déconseille de l'utiliser sur une maison en bois. Ça ferait vraiment couleur chaleureuse sur couleur chaleureuse, c'est moins sympa. Ici le lilas ça passe mieux. Et puis aussi les grandes fougères, ça c'est bien. Et puis le reste on utilisera de la poudre d'os je pense tout simplement. On peut en mettre du lilas un petit peu partout, pas trop, comme l'âne. Oui j'ai des références, vous n'êtes pas prêts. Voilà c'est tout. Alors, et puis pour le reste on met quelques touches de poudre d'os, pas partout mais voilà un petit peu. Comme ça, ça nous fait un petit jardin un petit peu diversifié et qui est plutôt pas mal. Regardez-moi ça, les guirlandes. Ah, c'est bon, ça. Ah, j'aime bien. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Alors, que nous reste-t-il donc à faire? Je pense qu'on a pas mal avancé, ce qui est pas mal. Et alors, petit truc que je vois tout de suite, en tout cas qui manque, c'est que l'on va utiliser les dalles de sapin pour les mettre sur le toit de la serre. Paf, paf. Voilà, je vais voir ce qui me manque. Alors, il manque cette façade-là que l'on n'a pas fait. Donc, classiquement, hein, les portes de 3 blocs de hauteur. J'ai plus les vitres, mais c'est pas grave. Donc, on va mettre des portes ici. Un peu. Hop, ok. Au-dessus, une ligne de vitres aussi, de fenêtres. On va mettre... ici, la des trappes. Alors, au-dessus, une ligne de dalles en chêne. Et au-dessus, bien sûr, une petite fenêtre. Hop, voilà. Somme toute, assez classique. Mais, ma foi, pourquoi pas. Ok, une fois qu'on a ça, on va faire l'autre façade de la maison, de l'autre côté. Hop, que l'on n'a pas fait encore. Ok, on avait commencé ici avec les vitres. Alors on va faire une grande vitre sur toute cette façade là. Et puis on va aussi faire une vitre qui s'ouvre à l'intérieur d'une vitre. Ça c'est vrai que c'est un peu la première fois que j'avais essayé ça. Mais je trouvais ça plutôt bien. Vous allez voir. Donc l'idée... voilà, donc je finis toute la façade déjà. Et l'idée, c'est qu'on va faire une ouverture ici sur 3-4 blocs, par exemple. Et on va faire une ouverture comme ça. Alors, il y a l'un d'entre vous dont le nom m'échappe présentement dans les chats sur Twitch quand j'avais réalisé la maison, qui m'a dit assez justement, c'est pas très malin de faire une vitre qui s'ouvre vers l'extérieur parce qu'après, pour la ramener... lorsqu'on va essayer de la refermer, bah ça va être moins pratique. Elle devrait plutôt s'ouvrir vers l'intérieur, ça serait plus pratique. Alors c'est vrai, mais c'est moins visuel. Lorsqu'on est à l'extérieur de la maison, eh bien on voit plus de détails si on ouvre cette partie-là de la fenêtre vers l'extérieur. Donc on la garde comme ça, même si c'est moins logique. C'est pas grave. Le côté esthétique est plus important que la logique. Si monsieur, si tout à fait. Juste en dessous, ici à ce niveau-là, on va utiliser des... escaliers à l'envers pour juste pour faire stylé, il n'y a aucun autre histoire. Donc ici pareil, une petite fenêtre. Bon là il n'y a pas la moyen de faire de la décoration autour, donc juste quelques trappes sur le côté, vitres et trappes. Hop, trappe. Ok, hop, sur le côté, on va refaire une vitre, hop, au centre comme ça, avec 5 blocs de large, et on va remettre des trappes, évidemment, sur le côté, ok, pareil, du coup, des dalles en sapin sur le dessus, on peut même faire un truc un peu comme ça, si on veut, ok. Et sur le dessus ici, ben pareil, une grande fenêtre.
comme ça. On va juste laisser les blocs de chêne ici comme ça pour faire la jonction avec le toit. Hop. 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 Et on fera la même chose de l'autre côté, bien sûr. Alors effectivement, vaut mieux que... Hop. Enfin, les choses comme ça. Et puis, c'est pas mal. Alors, on peut encore rajouter quelques petites lanternes parce qu'il n'y a jamais assez de lanternes. C'est vrai que j'aime bien les lanternes. Je sais pas si je vous ai dit déjà. peut-être directement des lanternes. Ah, on peut pas mettre des lanternes sur les escaliers, d'accord. Alors donc, ici, par exemple, donc en face du pilier. Hop. Hop. Ah. Je l'ai mis en face du pilier, mais c'est beaucoup plus bas. Donc on va le faire à côté. L'idée, c'est qu'il faut que ça soit à la même hauteur, les deux lanternes d'un côté à l'autre. Ici, ben, on va tout simplement le faire beaucoup plus facilement. Sur les machins comme ça. Les poutres. Hop. Il n'y a jamais trop de lanternes. Vous allez me dire, oh, ça fait beaucoup. Pas du tout. Voilà. Donc pareil, hein, la même chose de l'autre côté, vous avez compris l'idée. Et puis, eh bien, mes cocos et mes cocottes, je crois qu'on a fait le tour de la maison, en tout cas d'extérieur. Après, ça sera une question d'aménagement et de détails et tout ça. Je vais juste faire deux petites choses qui sont vraiment les toutes petites finitions pour l'extérieur. Je ne ferai pas l'aménagement, ça sera dans une autre vidéo. Hop, on va réutiliser, et je crois que je les ai ici d'ailleurs, les escaliers en andésite poli, paf, et paf comme ça sur les côtés des piliers à l'entrée de la maison. On va venir réutiliser encore une fois les magnifiques, les superbes, les lumineuses lanternes, qu'on va tout simplement poser comme ça. Et on va aussi faire une dernière petite chose. Alors, ça peut être considéré comme de la déco, mais j'ai quand même envie de la faire. Ce sont les espèces de petites lampadaires. Les petits lampadaires. Donc, on va utiliser des murets en pierre taillée. On va utiliser de la barrière en chêne classique, ainsi que des lanternes. D'accord. Et on va venir les mettre sur notre terrasse, ainsi que sur la terrasse du dessus. Ainsi que, voilà, ici, par exemple, le côté de la route. On va venir mettre une barrière en pierre, enfin en muret, ainsi que 4 blocs de barrière au-dessus. Hop, 2 sur le côté, et tout simplement des lanternes comme ça. Voilà, très simple. Et puis on va rajouter ce même lampadaire, hop, ici par exemple. Hop, donc entre les piliers, c'est ça l'intérêt. Ah, pour qu'on puisse voir à la fois les piliers et les lampadaires. Je crois que j'en avais même pas mis en plus au niveau du bas. Je crois que ça fait peut-être too much. Je crois que c'était ça. On va mettre des lampadaires que au niveau du dessus du coup. Hop, donc ça va être la même chose mais au niveau du dessus. Alors non, entre les fenêtres. Hop. Hop. Donc 3 ici, hop, ici c'est peut-être un peu, voilà, et plutôt par là, hop, et un ici, et peut-être un là, peut-être un ici plutôt. Vous voyez, donc là pour les emplacements hein, des différents lampadaires. Et regardez ce que ça donne une fois que c'est terminé. Les lampadaires, ils sont sympas. Alors pour les lampadaires en coin ici comme ça, bah, vous les mettez aussi en niveau en coin, ok, et pas droit comme celui-là par exemple. Vous voyez, comme ça aussi hein. Et pour le lampadaire qu'il y a au bout, eh bien on va même en faire en 3 branches, parce que pourquoi pas. Et voilà un petit peu ce que ça donne une fois qu'on a pas fini la maison, mais presque. Et regardez-moi ça. J'ai mis les petits shaders, le petit crépuscule, pour pouvoir regarder ce que ça donne la maison avec toutes les lampes allumées qui se voient bien et cette ambiance-là. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas trop la classe, sans déconner ?
Ah là là. Ah là là. Et oh là là, les lustres qui se voient depuis l'extérieur de la serre. Ah man Dieu. Hop. Oh, avec les rayons de lumière comme ça qui traversent. Oh là là. Oh, c'est trop bien. C'est trop trop sympa. Avec toujours... Oh là oh là là. Oh, regardez. Oh là là. Ah, c'est bien ça. Ah mon Dieu. Ah, mais c'est bien tout ça. Oh là là. Bref. Je kiffe et je vous laisse kiffer aussi. On se retrouve peut-être pas la semaine prochaine, mais je sais pas quand. Peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après pour le tutoriel pour faire l'intérieur de la maison. Oh, regardez-moi ça. Oh putain, mais elle est trop bien cette maison. Je kiffe. On se retrouve du coup la prochaine fois pour une prochaine vidéo pour la décoration d'intérieur. On se retrouve du coup, c'est ce que je viens de dire. Bonjour à tous, bon vent matelot et à la prochaine.